fait, je pense que c'est une bonne initiative parce qu'effectivement, ça nous permet de rencontrer en collectif les associations et donc de pouvoir partager notre travail les uns des autres. Là, le but aujourd'hui des rendez-vous pro de l'emploi associatif, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés pour les entrepreneurs, les jeunes créateurs, etc. Nous, le but, c'était aussi d'inclure les associations, qu'elles aient leur rôle à jouer aussi dans l'économie de l'Essonne. Donc, c'était découpé en deux temps. Le matin, quelque chose d'un peu plus formel, un atelier avec une consultante et deux personnes de Pôle emploi. Donc là, c'était pour répondre à un sujet qui était très précis, c'était les emplois aidés. Et en fait, le rôle de cet après-midi, c'est plus d'avoir un speed meeting, donc le même principe que le speed dating où on tourne de personne en personne. Donc là, le principe, en fait, c'est de leur permettre de rencontrer des interlocuteurs qui sont nos partenaires qu'elles ne pourraient pas approcher en temps normal. C'est très utile justement, parce que quand on a besoin, on sait qu'il existe des emplois aidés, donc on va au Pôle emploi, on discute, mais on perd du temps avec le Pôle emploi. Si avant d'aller au Pôle emploi, on connaît déjà les aboutissants, quoi, tout ce qu'il nous faut, on est plus réactif. Et c'est tellement compliqué aujourd'hui parce qu'il y a des changements, on ne sait plus ce qui est encore d'actualité, est-ce qu'on y a droit ou pas. C'est une très bonne initiative, c'est de l'information nécessaire. C'est utile pour que les structures puissent se lancer avec des bons conseils. En fait, on est accompagné par Essonne Active qui organise ce forum et ils nous ont logiquement orientés et on a pu avoir quelques réponses auprès des personnes de réseau, l'UDES notamment, sur notre nouvelle fonction d'employeur. Voilà, on est deux co-gérants, on va avoir à gérer nos emplois plus d'autres à partir du mois de septembre. Et donc on a pu avoir un appui conseil sur du juridique, des ressources humaines.